Día 3 de matemática. Pour segundo nivel, que gagne Luis Mesa et puis Héctor Alejandro. Pour nous capables de résoudre guia ça, tout le monde qui est dans segundo nivel, soit ou dans segundo K, segundo J, ou dans segundo G, ou dans segundo I, et bien guia ça, c'est pour vous. Ça, c'est guia 3, mathématiques. Eh bien, il est très important pour nous capables mettre non, non, mettre en classement et puis date là. Nous devons lire avec en pile compréhension chaque propriété, parce que ça parle des puissances. Nous devons vérifier exemple qui est au bail pour chaque propriété. Eh bien, nous devons résoudre exercice et puis monter sous classroom qui correspond avec chaque matière et professeur que nous gagnons. OK, là, il y a un exemple des propriétés des puissances. Il y a donc plusieurs exemples là. Par exemple, là, il y a un des nombres, il y a chaque gagnant, il y a un exposant, mais exposant commun. On suit l'exemple comment professeur lui-même les mettait. Là, nous avons qui gagnait deux nombres avec des exposants différents, mais qui entre parenthèses, et puis bon, l'autre exposant. On suit l'exemple, c'est à partir des exemples, même si vous ne suivez pas la classe là, vous avez fait l'équation ça. C'est sûr et certain qu'il y a plus de monde qui suit la classe, la vie plus facile pour nous capables de résoudre l'équation ça. Et bien, nous, multiplication, et puis bien, division. Avec exemple ça, li efficace pour nous capables de résoudre toute équation yo pour albano dans partie en bas. OK, on allait dans l'équation. Nous, j'annonce, gardez exemple yo bien, modèle que professeur même yo fait, c'est parti des modèles yo pour nous capables de résoudre équation qui dans partie en bas. OK? Là, yo banon dans item 1. Yo dit que pour nous capables appliquer propriété qui détermine valeur ça que yobano là. Yobano 7 divisé 7 exposant 5 et bien divisé par 7 exposant 3. Là, comment on a fait? C'est très facile. À partir des exemples qui en l'air, on a gardé exemple pour nous capables faire équation ça. Ainsi de suite. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Jusqu'à en bas, nous suivons le modèle qui est professeur Banoyo pour nous capables de résoudre. Très, très facile. Il y a un peu de monde qui est vite qui peut résoudre. Mais c'est parce qu'il n'a pas gardé le modèle qui est professeur déjà bail. OK? Là, dans le développement numéro 2, c'est le même bagaille. Nous avons tout exemple en l'air. Paf, courir monter sur yo sans ou pas comprendre exemple qui yo ba ou en l'air. Li contenu yo bien pour capable rêver résoudre. Dans partie 3, n'a seulement résoudre équation ça et puis nous pour choisir réponse qui correspond avec là. Nous pour choisir réponse qui correspond avec là. C'est très très facile. Seulement résoudre l'équation. Et puis, nous pouvons choisir la réponse qui correspond à là. Par exemple, si nous avons dit là, j'ai noté que nous avons un modèle en l'air. Nous avons 3. 4 multiplié par 3, c'est bon 12. Et nous avons exposant ça qui est commun. Nous avons considéré un noyau qui est déjà 12 exposant 5. Eh bien, si nous avons 12 exposant 5, et puis nous avons l'autre exposant des. On a dit qui dehors, eh bien, exposant qui dehors, les poils multipliés par exposant qui est dedans. Vous comprenez? Qui donc 3 fois 5, poil 15, qui poil 12, exposant 15. C'est très, très facile. Mais moi, je conseille, non, pour un papier, pas seulement qu'on fait la main, seulement ça, pour nous choisir sans que nous pas fait preuve, mais c'est pour un fait papier pour nous capable de faire équation. Ni partie, question de atout, c'est même gens. On a cherché résoudre son fait papier et puis marquer résultat qui est correct là. Là, il y a deux exposants qui sont communs. Nous connaissons qui ça pour nous faire. C'est ça divisé par ça et puis exposants communs.
Question 3, même bagaille, n'a pas résolu à partir du modèle qui est en l'air, n'a pas résolu. Et puis, n'a pas tiré en bas, yo, ben, non, yon, ti, problème pour nous capables de bah, solutionner. Je dis que, un club de lectura fue fundado por tres amigos, gustó mucho este club, hasta que el punto que cada uno triplicada su número de socios. Es decir, que el número de socios cada año era el triple de año anterior. ¿Cuántos socios fueron en el quinto año? C'est les trois amis qui fondaient un club. Ils ont tellement aimé le club là. Et ils ont dit que chaque qui s'est offert, ils ont fait invitation, eh bien, ils ont arrivé triplé quantité ils ont gagné. Chaque année, ils ont triplé quantité ils ont gagné. Ils ont triplé. Ils ont dit que pendant 5 années, la 5e année, eh bien, combien de socios qui sont arrivés à gagner? Eh bien, dans la partie en bas, on va résoudre l'équation. Oui, si vous n'avez pas un espace, vous êtes capable de faire un feuille et puis vous associer ensemble avec Guyasa ou vous voyez là les bails professeurs. C'est très facile pour nous capables de résoudre. En pile compréhension, en pile lecture, ça va permettre à ce que nous résoudre ces problèmes. Moi, j'espère que nous allons bien, que tout le bagage est OK pour nous. Bon succès.